Les chéris, vous allez vous mettre là, aligner les quatre là, un peu plus par là, aligner face à nous. Non, mettez-vous comme ça, regardez. Vous mettez là, merci, vous mettez là, merci. Je peux te confier mes lunettes parce que j'ai peur. Bien sûr, je mets ensuite. Allez, on y va, je te confie les lunettes. Attention, c'est très simple. Ça s'appelle le plaquage du poste. Christian Califano non, est avec moi. Garde ta veste. Non, il va enlever sa veste. Ah non, mais oui, pour le micro. Pour le micro, c'est pas grave, il va le faire comme ça. De toute façon, il plaquera, plus, il va faire coup de micro. Je vous explique. Mathieu, Gilles, Denis et Bertrand. Je vais vous poser des questions sur la télévision. Chacun votre tour, c'est que des questions chiffrées. S'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît, un petit peu de concentration. Des questions chiffrées. Celui de vous quatre qui sera le plus loin de la bonne réponse... Le monsieur dit, si t'es loin de la bonne réponse, tu vas en prendre une par Christian Califano. Donc donne la bonne réponse. Celui qui sera le plus loin de la bonne réponse sera plaqué par Christian Califano. Attends, moi c'est bon. Non, mais je vous explique. Vous ne saurez pas qui sera le plus loin. Il va jeter sur quelqu'un et vous comprendrez à ce moment-là que vous avez perdu. Vous êtes plaqué, vous êtes éliminé. Le dernier debout après trois questions est vainqueur. Ok ? Ok. Attention. Mathieu, tu peux te première question. Bah, on va démarrer par Bertrand Chamerois pour les réponses. Voilà, cette première. Après, chacun d'eux. D'après une étude de l'INSEE, réalisée en 2014, combien de temps un Français passe-t-il en moyenne devant la télé le dimanche ? Bertrand Chamerois, très vite. 5 heures. Vous ? 3h20. 4h42. Et vous ? Il est chaud. 3h36. Complètement con ce jeu. Ouais. Le monsieur te dit de plaquer bon. Gilles bon. Verdez. Putain. Reste à terre. Mathieu, décalé. La bonne réponse, c'était 2h51. C'est Bertrand qui était le plus loin. Attention, deuxième question. En 10 ans de diffusion, combien de bébés ont vu le jour grâce au couple formé dans l'amour et dans le pré? Vous démarrez, de leur mot. Mathieu. Dans les plans foireux. Est-ce que je peux avoir la question? Combien de bébés dans l'amour et dans le pré? En 10 saisons, 6. Ouais. Ah non. 32. 27. Poussez-vous. Attends, remets les tapis. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, dégagez la piste. Dégage. S'il vous plaît, dégagez la piste. Attention, il reste Gilles et Denis. Voici la question. En euros, quel est le montant du plus gros gain remporté par un candidat de questions pour un champion sur France 3? Denis Brognard. 77 000 euros. Et vous? 22 000 euros. Donne tout. Attends, donne tout. Là, vas-y, hein. Attendez deux minutes, tu peux lui donner des consignes. Remets le tapis, remets le tapis, pas gentil. Fou, quoi. Hey, Christian, allez-y mollo, je lui dis juste un truc. Défonce-le. C'est énorme ici.